Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur l'usage de la langue française, nous voyons ici comment utiliser le site du même nom afin de trouver la ou les définitions d'un mot, l'étymologie, la phonétique, les citations, les traductions, les synonymes et les antonymes. Je vous mettrai l'adresse internet, l'URL, dans la description de la vidéo et voyons tout de suite comment cela se présente. C'est un site exhaustif qui vous montre les différentes acceptions d'un terme. Par exemple, ici dans le grand A vous avez « qui manque de discernement » et vous avez un synonyme éventuel. Vous avez ici une autre acception avec des exemples la deuxième par exemple qui est assez romantique vous avez ensuite donc d'autres acceptions vous avez le grand C avec d'autres acceptions et toujours des exemples littéraires on continue vous avez donc d'autres acceptions avec des synonymes éventuels toujours et vous voyez donc que vous pouvez enrichir votre langue française avec différents exemples et différentes définitions. Vous avez les prononciations avec aussi la phonétique ici. Vous avez l'étymologie. Donc vous irez lire en détail pour le mot indiscret qui fait au féminin indiscrète avec E accent grave TE. Et ce n'est pas tout, puisque si on continue, on a les mots dérivés avec, par exemple, l'adverbe indiscrètement. Et vous avez toujours des exemples et bien sûr la transcription phonétique, comme dans certains dictionnaires, comme le Petit Robert par exemple. Et vous avez aussi le fameux Wiktionnaire qui a ici donc l'avantage de vous indiquer non seulement l'orthographe et également aussi la phonétique, mais aussi des exemples que vous voyez ici. On a le petit 1, le petit 2, le petit 3, le petit 4 par extension. Et on a également des noms communs si le mot que l'on a choisi a des significations en tant que noms communs comme par exemple une personne qui manque de retenue de réserve, ou alors le nom commun 2, qui est vraiment très recherché puisqu'il s'agit d'une sorte de siège triple en forme de trèfle, réalisé de façon à ce que trois personnes puissent s'y asseoir et discuter sans tourner la tête. Et si vous êtes très scrupuleux, minutieux, vous irez voir à quoi correspond l'annotation notation 1, et vous allez jusqu'au dictionnaire de l'Académie française, 8e édition, etc. Le litré également. Donc vous y, vous allez voir pardon en détail tout, et vous pouvez améliorer votre culture générale. Vous avez aussi une section historique l'encyclopédie, première édition, 1751. On continue. On a l'étymologie qui vient donc pour ce mot indiscret de du latin indiscretus, je ne sais pas si je prononce bien le latin. C'est un nom distingué, confondu et donc et dans vous irez voir dans les Indindars de Kishera. Vous avez une version électronique correspondant au littré et vous pourrez peut-être avoir plus d'informations. Voilà et vous avez donc la phonétique ici d'indiscret et vous avez même la prononciation à la fin avec le fichier audio indiscret. Vous avez pu entendre donc comment se prononçait le mot. Et vous avez encore des citations contenant le mot indiscret. Donc je vous laisserai les lire. Et vous avez les traductions comme on a vu au début, avec l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le chinois, l'arabe, le portugais, le russe, le japonais, le basque, le corse. Et vous avez des synonymes d'indiscret qu'il faudra utiliser avec tact en fonction de leur contexte. Et vous avez également des antonymes à utiliser avec tact suivant leur contexte, donc des antonymes qui sont donc des contraires. Et vous pouvez ainsi facilement trouver des informations par rapport au mot que vous voulez en allant supprimer le mot ici, indiscret, par son contraire discret par exemple et vous validez avec la touche entrée alors comment j'ai fait c'est très simple j'ai sélectionné avec un clic gauche maintenu de la souris tout le mot j'ai appuyé sur la touche supr du clavier et je tape donc le mot je retape le mot discret et je valide avec la touche entrée du clavier et là, je suis bien dirigé vers le mot discret il vous suffira de lire l'intégralité de la page. Vous savez maintenant comment procéder pour trouver toutes les informations exhaustives d'un mot avec le site la langue Cette formation est maintenant terminée, c'est à vous.